Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des cheveux, la beauté des cheveux naturels. Parce que vous me demandez ça depuis longtemps. Je vais vous parler de quelques produits que j'utilise pour entretenir cette masse de cheveux. Et aussi des gestes efficaces que j'applique chaque semaine. Les choses à pas faire aussi. Parce que c'est très important ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous avez téléchargé mon guide qui est sous cette vidéo, un guide pour gagner en énergie et vitalité tous les jours par des gestes très simples? C'est gratuit, c'est cadeau, donc téléchargez tout de suite. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon approche est holistique. On parle beaucoup de l'alimentation, je parle de yoga, l'exercice physique, le sommeil. Tout ça, c'est des piliers santé. Un autre pilier santé, bien-être, c'est vraiment ce qu'on met aussi sur la peau et dans les cheveux. Les cosmétiques qu'on utilise tous les jours, c'est hyper important parce que potentiellement, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser l'accumulation de toxines dans notre corps. Les produits chimiques, vous le savez bien maintenant, on en parle tout le temps. Les produits chimiques sont souvent source de perturbations hormonales, par exemple. Il y a beaucoup de parabènes dans les cosmétiques chimiques et plein d'autres choses qu'on veut éviter. Donc, ce que j'applique moi-même pour prendre soin de mes cheveux et ma peau, c'est vraiment un geste de bien-être vis-à-vis de moi-même et par respect pour l'environnement aussi. Donc, qu'est-ce que j'utilise qui est vraiment efficace pour prendre soin de cette masse de cheveux? Alors, j'ai quelques préférés que je partage aujourd'hui avec vous. Par exemple, ce qu'il faut faire, c'est de hydrater en profondeur, mais très régulièrement. Les gens me disent souvent, bah oui, je fais un masque une fois par semaine, etc. C'est pas suffisant. Souvent, avec l'état de nos cheveux d'aujourd'hui, vous savez, ça, peut-être vous avez des cheveux ternes, très secs, ou au contraire, vous avez le sébum qui est sécrété en abondance trop vite et vous avez des cheveux gras. Tout ça, c'est lié à un déséquilibre de toute façon. On n'est pas assez minéralisé en général. Donc l'alimentation, bien sûr, ça va jouer énormément. Regardez mes articles sur mon blog pour apprendre plus sur la bonne alimentation, comment nous reminéraliser en profondeur. Ça passe via des produits très simples. Hein. Vous pouvez prendre beaucoup de spiruline, tout ce qui est alimentation frais. De toute façon, c'est une base, mais la spiruline, c'est extraordinaire. Le pollen, c'est extraordinaire. Le pollen frais, je parle. Voilà, des super éléments. Regardez les articles sur mon blog déjà pour l'alimentation. Oups, l'heure de couper, je pense. Pour les produits, l'hydratation doit être vraiment régulière. Et moi, je fais des masques, par exemple, pendant la nuit, avec des huiles bio, vierges, tout à fait naturelles. Un préféré, c'est l'huile de sésame. L'huile de sésame est extraordinaire pour nourrir les cheveux. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'alterner. Donc, je ne fais pas du tout la même chose tout le temps. Une autre huile que j'utilise beaucoup, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan, d'ailleurs, les deux huiles en interne et en externe, il y a beaucoup de vitamine E dedans qui va vraiment nourrir. C'est une vitamine, un antioxydant en TH. Donc, ce que je fais, c'est que je masse les cheveux avec ces huiles-là, cheveux secs. Je mets une serviette autour de la tête ou sur mon coussin, je dors avec. Et le matin, je fais deux shampoings pour bien me débarrasser des résidus d'huile et les cheveux sont souples et beaux et brillants, bien hydratés et nourris en profondeur. Une autre huile que j'ai toujours chez moi, que je mange beaucoup, toute la famille d'ailleurs, et que je mets dans mes cheveux, c'est l'huile de coco vierge. L'huile de coco est souvent solide, comme ceci, pendant l'hiver, quand la température est basse, donc il faut chauffer un petit peu. Vous chauffez dans une casserole, mais ça prend 30 secondes, hein, une minute, et vous massez ça dans les cheveux. Et ça correspond mieux à certaines personnes, c'est très très riche. Il faut essayer parce qu'il n'y a rien qui est parfait pour tout le monde. Donc essayez, et puis comme je fais, j'alterne vraiment entre les huiles parce que les cheveux, comme votre peau, changent en permanence, c'est long. Les hormones, selon la température, le climat, tout ça, l'alimentation que vous avez eue récemment, tout ça, ça joue. Donc, essayez, expérimentez et ne restez pas
avec la même chose, même méthode, même traitement de beauté en permanence, parce qu'on a besoin d'observer l'état de nos cheveux et l'état de notre peau pour bien pouvoir en prendre soin en fait. Donc adapter. Pour le shampoing et pour les masques un peu plus sophistiqués, on va dire, j'ai découvert la marque Coslys. Coslys, c'est une marque bio qui a une gamme de kératine. Kératine, c'est une protéine qui va aider à restructurer justement les cheveux. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé après l'été, par exemple, pour avoir plus d'éclat dans mes cheveux et pour le renforcer tout simplement. Donc le shampoing et le masque de la marque Coslys, c'est quelque chose que j'utilise aussi en alternance avec ces huiles-là. L'hydratation quotidienne est importante en fait. C'est pas uniquement les masques que vous allez faire, l'après-shampoing que vous allez faire, mais l'hydratation quotidienne avec une crème de jour, exactement comme pour votre peau. Mettez une crème sur vos pointes comme celle-là que j'utilise en ce moment, Aveda, Damage Remedy. De toute façon, vous avez toujours toutes les infos sous la vidéo et sur la vidéo, je vous le mets aussi, bien sûr. Vous pouvez bien sûr mettre un peu d'huile aussi sur les pointes. Très peu, une noisette qu'il faut chauffer entre les mains et vous massez un petit peu les pointes pour les hydrater, pour les nourrir. Et ensuite, pensez à brosser les cheveux tous les jours, ça nourrit bien les cheveux aussi. Quand vous commencez à partir du sommet du crâne et vous brossez longuement vos cheveux parce que ça les nourrit, ça amène du sébum en fait, ça nourrit naturellement les cheveux, ça les fait briller. Et ne lavez pas les cheveux trop souvent, ça dessèche, ça abîme. Et bien sûr, les brushings, pareil, pas tous les jours, de temps en temps, mais laissez les choses un petit peu au naturel, vous laissez sécher chez vous le week-end quand vous pouvez. L'hiver, c'est plus compliqué, je sais, mais je vous dis bien quand vous le pouvez. Et pour finir, mes chers amis, pensez à l'intérieur, pensez à prendre bien soin de vous au quotidien parce que ça va se voir sur l'extérieur de toute façon. Ça vient toujours de l'intérieur. Travaillez sur ça et vous allez avoir des résultats, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la avec vos proches parce que la beauté au naturel, c'est aussi lié à la santé au naturel. Tout est lié, n'oubliez jamais ça. Moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bien-être, yoga, alimentation, tout ce que vous voulez, vous m'envoyez vos demandes et moi, je répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse, passez une belle journée. Ciao. That was so wrong. I cannot speak today. Ok, c'est pas grave. Et on reprend.